C'est dans la recherche des ressources nécessaires aux investissements prévus au budget de l'État que le Trésor public ivoirien a sollicité le marché financier de l'UEMOA via cet emprunt obligataire à taux variable pour un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA. Le taux variable est composé de la moyenne des taux moyens pondérés des injections hebdomadaires de liquidités sur une période de 3 mois de la Banque centrale et d'un spread de 2,45%. C'est assurément la plus grosse mobilisation de ressources jamais réalisée sur ce marché depuis sa création. Avec une période de maturité de 7 ans, il s'agit pour la Côte d'Ivoire du troisième emprunt obligataire coté depuis le début de l'année. Cela démontre bien d'une part la volonté des autorités ivoiriennes à recourir davantage au marché des capitaux pour la mobilisation des ressources financières à long terme, afin de financer plusieurs projets d'infrastructures et de développement, et d'autre part, la profondeur du marché financier régional. La particularité de cet emprunt obligataire est son arrimage au taux de base de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui permet de protéger les investisseurs en cas d'inflation. À la différence de l'emprunt classique, à taux fixe, sa rémunération évolue en fonction des conditions du marché. L'atout majeur de ces obligations réside dans la protection du capital qu'elles offrent en période de remontée de taux et le coût du financement de la dette reste en ligne avec le taux de référence choisi par l'émetteur. L'un des objectifs spécifiques au plan intérieur de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l'État de Côte d'Ivoire concerne la contribution au développement du marché domestique. Les autres États de l'UEMOA et les acteurs économiques devraient emboîter le pas à la Côte d'Ivoire afin de profiter davantage des opportunités offertes par le marché à des taux et conditions très compétitifs.